8 avril 2020. Le peuple de Dieu devra être le plus heureux de la terre. Je lis les textes bibliques, Proverbes 15, 13, 15, 30, 17, 22. Le corps joyeux gagne le visage, mais pas les chagrins du corps d'esprit à bateau. Cette personne, New York, pense que la gaieté à la mort sont des signes de la marquage de sécurité. Et dans des années, les gens disent que les pauvres de Dieu doivent avoir l'air triste. Et apparaître sur les signes de sont des pauvres de sa piété. Au moyen âge, que l'église ne savait plus ce que Dieu vivait et traitait. Et c'est l'une des raisons qui fit tomber les ténèbres sur l'église. Mais Dieu est un Dieu joyeux, de joie. Il a beaucoup de rire et de réjouissance dans les cieux. Même les plus petits anges rient, et que dire des enfants qui sont là en haut. Quand le corps est joyeux, cela s'éline sur les visages, parce que celui-ci est l'expression de l'âme. Ainsi, le peuple de Dieu devra être le plus heureux de la terre. De nombreuses célébrités se sont constamment refaites les visages pour apparaître toujours jaune et belle. Mais la joie du Seigneur qui illumine l'expression du sage procure une si grande beauté que rien sur terre ne semble être comparé. En hébreu, le mot traduit par regale est yadam, qui signifie être joyeuse pour un grand amour. La beauté véritable n'est bien pas dans le visage de l'homme de Dieu. C'est la beauté qui est une autre âme. Cette beauté n'est pas jamais, même dans le vieux. Les grands chagrins du corps plus un esprit de mort. Il n'y a plus de corps de l'église qui de la santé de tout abandon. Quand l'esprit est plus bien, rien ne pourrait être fait pour rendre le corps en vivance. Seul Dieu pour guérir le corps qui a été visé à partir de la mort. Le stade des juillet est, pardon, les tragédies dans la famille, les accidents, les mortels, les maladies, la mort, les soucis, les pertes, les financières, les financières, la cruauté, l'esclavage, une personne, parfois au point de souhaiter mourir. Mais, et c'est triste pour se lire sur les visages. C'est tristesse, c'est pour lire dans les visages. Certains d'entre vous sont pas.
Donc le Seigneur permet que nous fassions l'expérience des chagrins et d'affliction. Mais il ne veut pas que nous vivions perpétuellement dans les chagrins, car il nous aime. Même lui aussi, l'homme des douleurs, connu la joie et le bonheur. Il veut que nous soyons libres de toutes ces humeurs mauvaises, parce qu'elles ne pouvons que nous détruire. Il désire que nous expérimentions sa joie. Ainsi, à la veille de sa mort, Jésus dit, « en vérité, je vous dis, vous pleurez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, votre corps se réjouira, et nous ne vous ôtera votre joie. Jusqu'au présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean, chapitre 16, verset 22-24. Quand nous recevons sa joie, celle-ci devient un baume de guérison. Nous sommes fortifiés dans notre homme intérieur, car la joie de l'Éternel est votre force. Trouvez ça dans Néhémie 1, chapitre 8, verset 10. Néhémie venait tout juste de lire la parole de Dieu au peuple qui rentrait de la captivité quand il leur dit que la joie du Seigneur était leur force. Ils ressentiront des émotions très fortes dans leur corps. Certes, pleureront parce qu'ils se souviennent des bien-aimés qu'ils avaient perdus lors de la bataille pour Jérusalem, ou qui étaient encore retenus en arrière à Babylone. Mais Néhémie, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans les dolles, dans les pleurs, car tous les peuples pleureront en entendant la parole de la loi. Esdras leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des pâtes à ceux qui n'ont rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas à la joie de l'Éternel en disant, et votre force. Les Lévites calmant tous les peuples en disant, taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Tous les peuples se sont là pour manger à boire, pour envoyer des pâtes et pour les livrer à des grandes réjouissances.